Salut tout le monde, c'est Rélus et aujourd'hui on se retrouve pour un let's play rapide sur Wario Land 4, sorti en 2001 sur Game Boy Advance chez Nintendo. Et je vais continuer parce que j'ai le son qui me brise les oreilles. Je vais faire une partie en normal, pas 100%, 1% ça devrait être suffisant. Hard, j'ai essayé vite fait lorsque j'étais plus jeune, mais ça remonte à une époque lointaine, au moins une bonne dizaine d'années. On va partir sur une partie normale. Et je me tais pour les introductions. Tout de suite, l'ambiance nous met dans le jeu. Galerie d'entrée, allons-y. Alors, les zones vont se... Pour ceux qui n'y ont jamais joué, le jeu se compose en 6 zones. La première zone qui comprend un niveau et le niveau du boss. Ce que vous voyez en haut à gauche, et là je vais faire des zooms si je pense, ce sont des pièces qui me permettront d'acheter des bonus contre les boss afin de les affaiblir. En haut à droite, c'est l'argent que je récupère au fil des niveaux. Ce que vous voyez là, c'est le nom du stage avec le tableau noir et blanc. Au-dessus, vous avez ce qui sera très important, un espèce de diamant qu'il faudra récupérer. Il y aura 4 morceaux, ainsi que en bonus un CD. Et ce jeu est franchement très bon. Je le dis tout de suite, il est très très bon. Voilà, et direct dans le jeu. Alors, je vais vous expliquer vite fait. En haut à gauche, donc là nous avons nos cœurs. J'ai 4 cœurs sur 8. Ce que vous voyez ensuite, la barre en dessous, ce sera quand je vais tuer des monstres. Quand la barre sera remplie, je gagnerai un cœur. En haut à droite, ce sera l'argent que je récupère dans le niveau. Et ce que vous voyez actuellement, la petite statue, c'est un truc assez important. C'est ce qui nous permet de sortir, sauf qu'il y aura un timer, et lorsque ce timer arrivera à 0, vous perdez de l'argent au fur et à mesure du temps. Et lorsque vous êtes à 0 argent, 0 temps, c'est le game over. Alors on va y aller. Touche A pour sauter, B pour donner un coup dans la direction, pas besoin de maintenir. Voilà, ça sert à rien. Alors, en faisant A et bas, lors d'un saut, lorsque vous faites bas, une attaque chargée, j'ai envie de dire. En utilisant L. Ok, j'ai pas configuré mes touches comme il faut, j'ai l'impression. Voilà. En faisant une direction et R, vous faites une attaque chargée. Ça marche aussi avec L. L et R plus direction égale attaque chargée. Donc, évidemment. Ensuite, tout le monde, vous voyez, ces petites pastilles là, les trucs orange, je les récupère et ça me remplit une petite barre de la jauge. Alors évidemment, les diamants, c'est de l'argent. Frais qui gagne pognon. Premier coffre qui contient un morceau de diamant ainsi qu'une pièce de l'argent. On peut aussi, voilà, avec la charge, sur une courte distance, briser des blocs. Et si on fait charge plus saut, charge sauter. Voilà, là pour l'instant c'est des strates pas trop complexes. Voilà, et j'ai gagné un cœur si vous avez bien vu. Alors là, hop, alors, vous voyez, il y a une espèce de... Il y a deux sortes de charges. Il y a la charge normale,
Et à la charge où il y a une espèce d'écho lorsque je le fais. Et le jeu peut être très optimisé. Alors attendez. Voilà. Et en faisant ça, je peux runner le jeu comme un salaud. Les diamants, masse de thunes. Alors, les objets que vous pouvez ramasser, là, c'est une balle de volley. De volley, oui. De rugby. Alors, en maintenant B, ça charge l'attaque. Et bien sûr, Wario, magnifique. Lorsqu'il fait ça, alors là, je peux aller soit en haut, soit ici. Mais je fais ici, enfin, je vais là, pour ceci. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ceci ? Ceci me permet de remplir ma barre de vie. Actuellement, j'ai 8 heures. Et alors maintenant, chose bien, on peut lancer les objets dans à peu près toutes les directions. Voilà. Là, en gros, je vous ai expliqué tous les systèmes de jeu. Tout le système de jeu, vous l'avez compris. Alors, ces ennemis, lorsque vous sautez dessus, ils se retournent. Mais lorsque vous vous arrêtez, il me semble qu'au bout d'un moment, ils deviennent bleus et rouges. Voilà, comme ça. Et là, ils sont rouges. Et là, ils sont... Voilà. Alors, c'est marrant. Alors là, bien sûr, la petite subtilité, je l'ai fait très très vite. Lorsque vous êtes sur une pente et que vous baissez, vous êtes une boule et vous pouvez aussi sauter. Et ça peut permettre de gagner max de temps. Alors ceci est la clé. La clé est très importante. Vous devez la récupérer pour accéder au stage suivant. Sinon, bah, recommencez le niveau. Vous pouvez aussi, bien sûr, comme vous le voyez, prendre des ennemis. Regardez. Hop, je prends un ennemi et je peux le balancer. C'est drôle. Bon, là, je voulais montrer l'attaque, enfin, le saut rodéo de Wario. Là, un saut rodéo assez convaincant. Donc ça, c'était le niveau un petit peu tutoriel. Alors là, hop, une bombe. Avec une musique déconcertante. Je la laisse quand même, je la trouve très cool. Et voilà. Et le niveau s'efface. Nous revenons dans la réalité. Avec la clé. Petit compte du score. Le diamant OK. Le record, évidemment, bon, on passe, partie sauvegardée, 5 fois de niveau. Niveau tutoriel, je vais l'expliquer. Et, tac, on ouvre pour accéder au stage suivant. Et bien sûr, la porte du boss. Alors ensuite, les mini-jeux. Alors, parlons des mini-jeux. Un joueur, qu'est-ce que c'est ça? Alors, vous avez trois mini-jeux. Partie de baseball, saut d'obstacle, roulet de Wario. Alors, c'est ceci. Enfin, ces mini-jeux permettent de récupérer des pièces. Des pièces qui sont actuellement juste à gauche. On va les attendre par une tête de crapaud. Alors, à partie de baseball, vous gagnez une pièce pour les 3 points. Saut d'obstacle, c'est une pièce pour les 15 points. Et roulet de Wario, il me semble que c'est 1 ou 3. Reviens quand tu veux. Ouais, alors là, je fais partie de baseball. Je voulais montrer les trois et je pense ne plus jamais la refaire. Voilà. Alors, évidemment, ça, c'est un petit peu un prémisse DS, là. Bon, là, j'ai fait un foul. Si vous ratez... Enfin, si vous faites de full, vous pouvez faire autant de full que vous voulez. Mais si vous faites deux full et qu'il y a une balle qui passe, ça compte comme un strike et c'est perdu. Là, par exemple, home run. Un point. Alors il y aura des strats par contre. Voilà, là il y a eu un strike. En fait c'est assez complexe à expliquer. Parce qu'il faut frapper à la bonne frame au bon moment
Mais le l'IA, le CPE pouvait faire des feintes de merde. C'est-à-dire que vous pouvez faire une balle lente et une balle rapide. Balle rapide, balle lente. Ou des balles qui font... Voilà, out, c'est terminé. Ou des balles comme ceci. Qui partent dans un sens. Je vais me faire un saut d'obstacle plutôt. Vous pouvez aussi vous faire des balles qui disparaissent. Alors saut d'obstacle, easy. Saut d'obstacle, je pense que j'ai fait le meilleur score de toute ma vie. Là, c'est un personnage qu'on verra dans les autres niveaux. Alors vous, voilà, vous touchez un pixel, fini, mort, terminé. Et la roulette Wario, c'est juste de la mémorisation. Là, vous voyez. Alors, grands yeux, nez poilu et petite bouche. Allez, bien sûr, hein, comme ceci. Alors, pas de limite de temps. Faut juste pas vous rater. Bon, là, c'est un Wario. Je me souviens plus du sourire, voilà. Grands yeux, nez moustache et grosse bouche. Hop, 3 points, j'ai gagné une pièce. Bon, là c'est un Wario avec une bouche voilà, comme ceci. Je vais essayer d'aller jusqu'à 3 pièces pour vous montrer ce que ça apporte. Il me semble que oui, ça doit être 3 pièces. Après, ça va de plus en plus vite, évidemment. Du coup, là, je vais me tromper. Voilà. Bref, vous avez compris l'idée. Alors là, hop, j'y vais. Pour le boss. Allez, au nom imprononçable. Pardon. Wesh. Un petit peu de tout. Alors, voilà, ici... magasin qui vous permet d'acheter quelque chose, quelques petits boosters, j'ai envie de dire. Alors évidemment là c'est cadeau, voilà, on vous offre un petit sourire. Alors là on peut reconnaître ce personnage, un petit je dirais remix de Monsieur Game & Watch. Alors je vais prendre le canon pour 2 pièces. Là j'ai aussi le super-héros ou bien la canne, et ce personnage me suit au boss, et les boss sont assez charismatiques. Regardez ça. Alors, premier boss, c'est une petite fille bizarre. Pendant que Wario se fait les muscles, Monsieur Game & Watch apporte un canot. Regardez bien les points de vie. 3 barres de vie en moins. Et j'ai 1 minute pour le battre. Donc, c'est un time attack. C'est un boss time attack. Regardez, comme ça. Et voilà, j'ai perdu un cœur comme un con. Voilà, je fais comme ça. J'ai pas le temps. Ah voilà, et là c'est un peu plus dur parce que hop, passe derrière. Alors j'ai la strat évidemment, hein. Voilà, le boss est terminé. J'ai perdu 2 cœurs, c'est pas grave. Et regardez ça, des fleurs. Terminé. Donc là on va dire premier monde, en gros 15 minutes. La pyramide fait son apparition au centre. La pyramide d'or, ce que Wario est venu chercher. Et 4 nouveaux endroits, j'ai envie de dire. Donc là, la salle des sons. Alors, galerie émeraude, galerie saphir, galerie topaz et galerie rubis. Alors, je vais faire dans l'ordre. Seulement, je vais faire une première coupure ici. Parce que je vais diviser ça en plusieurs parties, mais vous aurez tout d'un coup. Voilà, donc on va commencer par la galerie Saphir. Village fantôme, c'est parti. Et je vais essayer de pas faire de la merde. Donc là, direct, hop. On commence avec des ennemis intangibles.
Pour les rendre tangibles, il faut les mettre face à une source de lumière. Comme cette lucarne, par exemple. Voilà. Et si je me prends leur attaque, et ben, je suis un zombie. Et je suis ralenti. Ouais, zombie, je suis ralenti. Et eux deviennent tangibles. Donc là, la musique change, évidemment. En fait, à chaque fois que vous subirez une transformation dans le jeu, la musique va en subir les conséquences. Et c'est un des points forts de ce jeu, je trouve. Donc là, je vais runner un peu. Et voilà, voilà, ça devait arriver. Ça devait arriver. Là, je perds masse de points de vie parce que ces ennemis sont assez énervant, je dirais. Alors là, la chauve-souris vous permet de voler, d'atteindre des endroits inaccessibles en Wario normal. Et ça altère aussi la musique. Et pour se remettre en mode, enfin, en Wario normal, basique, il faut de la lumière. Et même quand vous roulez, la musique change. Hop, premier morceau de saphir de ce niveau. Les ennemis, vous ne pouvez pas les soulever parce qu'ils ont des piquants. Et voilà. Les piquants, c'est chiant. Donc du coup, je dois bien attendre pour les toucher. Hop, je récupère un cœur. Voilà. Je détruis les blocs là parce que il y a sans doute quelque chose. Voilà. Un deuxième morceau de saphir. Je récupère un peu de vie quand même. Parce que voilà. Hop, le cœur. Et si je remonte là, je reviens en haut, donc pas intéressant. Ah, il y a un V1. Ouais, c'est bon, j'ai le cœur. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, hein, d'accord. Allez, hop, dégage. Il faut que je passe par là, je dois activer un interrupteur sans doute. Ouais, je pense activer un interrupteur. Voilà. Ok. Ah, je peux... Ah là, je peux descendre comme ça. Alors là, hop. Déjà le troisième, alors je run évidemment. Je vous le dis. Je récupère aussi la max de choses, des caisses. Un tuyau que je vais... alors si, je vais quand même vous montrer. Voilà, ce sont des petits niveaux bonus avec ce personnage. Une musique qui change. Et en fait, ça sert juste à max, à faire du scoring. Aussi simple que ça. C'est juste pour scorer un peu.
Et je trouve la musique assez belle. Alors là, petit stage bonus, j'ai envie de dire, avec B dans l'eau, on peut accélérer un petit peu. Et voilà, le dernier morceau. Donc là, on peut y aller tranquille. Mais quelque chose me dit que lorsque le temps sera là, je vais prendre cher dans ma gueule. Et on est go. C'est parti. C'est l'air de devenir une chauve-souris et d'avoir un peu de skill. Hop là. Et là on refait tous les niveaux. On prend tous les passages possibles. Tout ce qui est des raccourcis sont la bienvenue. On est là pour ça. Hop. Ah merde, trompé de chemin. Comment ça? Ah, il m'a volé. Ok. Donc ces personnages là vous volent votre clé. Ok, je retiens. Salaud. Salaud, salaud. Mauvais chemin. Comment se fait-ce? Peut-être ne suis-je pas allé assez en haut. Ouais. Je ne comprends pas là. Je comprends pas du tout. Ah si, d'accord. Si, j'ai juste fait le con. J'ai fait le con, en fait, il me faut la clé pour ouvrir les portes. C'était ce qui me manquait, ce connard m'avait volé. 2 minutes, allez. J'ai envie de dire, c'est possible. Et la musique est là pour me le prouver. Et si la musique me donne raison, voilà, allez hop. Hop, je la récupère. Tout est géré, tout est calculé, ne vous en faites pas. Je vais GGiser. Je vais GGiser le niveau. Je vous laisse profiter de la musique. Pendant que je dis de la merde. Et time. Et j'avais du temps. Ça va. J'ai un petit peu mongolisé. Mais le résultat est là. Bon, j'ai pas le CD. Mais je fais pas 100% le jeu. Donc là, hop, on sait, j'ai réussi. La clé. Voilà. Déjà, le premier niveau nous pose les bases. Ça pose déjà les couilles sur la table. Allez, deuxième stage, 1001 nuits. Évocateur de ces histoires. Avec une musique adaptée. Et là, hop, un tapis volant. Tapis volant, je dirais, extrêmement utile. Élément de gameplay indissociable. Voilà, dégage-toi. Très belle musique d'ailleurs. Alors là par contre ça va être le stage un petit peu labyrinthique. Hop là.
Alors on nous donne des... de l'eau. Premier morceau récupéré. Des tapis, des chemins, des portes qui donnent accès à du vide. Alors les tuyaux, ça donne accès à un niveau bonus. Est-ce que je peux arriver à en faire un? Ouais, là c'est assez simple. Hein. Je le vois. Voilà. Regarde, c'est tout con. Hop. Hop. Et là. Alors je ne sais pas comment on fait là par contre. C'est pas grave. Toujours une petite part d'énigme. Et alors là par contre, on peut charger, c'est comme dans un Metroid, on peut charger une espèce de comment dire, d'attaque. Donc ça me servait juste à faire du scoring. Chose inutile pour moi. Moi je veux finir le jeu. Et là, j'ai vu le deuxième morceau. Hop, je m'empresse de le prendre. Les musiques sont très très belles. C'est un point que je mettrai pour ce Wario Land. Je ne pense pas qu'on puisse trouver de si belles musiques pour un jeu GBA. C'est pas le seul, mais c'en est un qu'il faut avoir essayé. Alors ça évidemment, transformation, Wario est gonflé. S'il se prend un mur, hop, il se dégonfle. Et donc mauvais chemin. Salut les guêpes. Ces guêpes seront très utiles évidemment. Hop, pique-moi. La musique est aussi altérée. Et bien sûr, je peux aussi me transformer en chauve-souris. Et c'est ce que je vais faire, car il y a un petit peu de stratégie, j'ai envie de dire, dans ce jeu. Hop, et bien sûr, avec lui, je peux souffler. Ah, et bien sûr, dans l'eau, je redeviens normal. Donc, où est la... Voilà, elle est là. Voilà. Beaucoup de stratégie. J'ai la clé. Je sais que cette clé, elle a un nom. Elle a un nom spécifique. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Ou il s'appelle. Voilà. On a la clé. On est des génies. Voilà. Là, j'étais en train de faire bugger le truc. Le tapis. On continue. Et là on est direct au timer. La question cependant c'est que il me reste des morceaux à récupérer. Salaud. Voilà, dégage. Voilà. Ah, alors là. Passage assez complexe. Ah voilà. L'avant-dernier morceau. L'avant-dernier morceau et... Time. C'est parti. Hurry up, comme tu dis, Wario. Parce que là... C'est le stress, l'angoisse. Il ne faut pas se rater. Dans l'eau. Hop là. On est full. Maintenant. On se casse. On est full life.
On nous dit d'aller en bas, mais y a-t-il quelque chose en haut? Oui. Oui, il y a le bonus, un bonus inutile. Mais je me casse, c'est le CD. Ok, donc ça c'est bloqué. Non, c'est pas bloqué, il y a la porte. Et time, moins d'une minute. Lorsque vous jouez en hard, vous avez moins de vie. Et le temps, le time est divisé par 2, normalement. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Et hop, allez, troisième niveau. Allez, caverne ardente. Avec une musique un peu plus archaïque. Et des ennemis avec de nouveaux pouvoirs. Alors pour ça, voilà, faut pas faire ça, faut faire une attaque sautée. Voilà. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Ça ne marche pas très bien. Oh, ouh, c'était joli ce que je viens de faire. Alors là, par contre, ça va être un petit peu dangereux, voilà. Alors là, c'est R qu'il faut faire. Voilà, parce que... Oula. D'accord. Là, je peux rien faire. On se dépêche. Ah, merde. Ah, il y a la clé, je pense que je la récupérerai pendant le timer. J'en étais tellement sûr. En même temps, qui ne s'en doutait pas? Ah merde. Non mais n'importe quoi. Voilà, redonne-moi de la vie. Respecte-moi un petit peu. Il me semble dans mes souvenirs, lorsqu'il y aura le timer, ok, ouais, mais alors en fait, voilà, je voulais juste faire ça et c'est parti, voilà, le timer change tout. On est à l'ère glaciaire et on peut se transformer en Wario boule de neige. Et des stalactites aussi. Les boules de neige nous font perdre un peu de temps. Voilà. Faut y aller doucement. Voilà, toi dégage. On descend. On récupère ça. Et alors là, si la strat elle est bonne, on va aller aux boules de neige. On descend. Et on se laisse porter. Voilà. Là, faut user de toutes les strates possibles et inimaginables. Et faut surtout faire attention aux bouboules de neige. Voilà. Donc là, tout est gelé. Tout est dans la merde.
Alors, est-ce que maintenant je peux atteindre la clé? Pause 2 secondes. Ah, j'ai oublié de vous montrer pause. Ah, y a rien à. Y a rien à montrer si on peut. On peut abandonner. C'est tout. Alors, oui. Merde. Voilà. Quand même, il me faut la clé, donc du coup. La clé est à moi. On est go. On est prêt. On a pas le temps. Voilà, on est pressé. Il me manque un bout de diamant, de saphir. Où est-il? Après, pour speedrunner le jeu, bah, c'est juste du routing. Juste savoir où se trouvent les morceaux, la clé. Rien de bien complexe. Allez, juste au-dessus. Non. Je suis en train de me faire avoir. Ah. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Voilà. Voilà. J'y crois à mort. J'ai pas le temps. Voilà. C'est vraiment dur et j'ai eu le OK. Du coup, je vais boire un petit coup. Voilà. Voilà. On s'en fout du score. Troisième stage complété. D'ailleurs, je vais couper le micro 5 secondes, juste le temps de me moucher. Voilà. Dernier stage, hôtel de l'horreur. Enfin, avant-dernier stage, avant le boss. Ou dernier stage avant le boss. Bref, comme vous voulez. Putain, ça commence bien. Ah oui. Ah, ces stages. Ce stage du labyrinthe le plus total. Ah, le stage du labyrinthe. Je l'adore. Que là cher ami joueur, voilà tout un mind game, tout un routing même, je dirais, pour ne pas se perdre. Alors moi je vais comme ça à la zub. Alors évidemment, voilà, ce que j'ai fait, c'est je sais même pas comment j'ai fait. Je sais même pas comment j'ai fait ça. J'ai fait ça frame perfect. Voilà. La salle là, elle sert à rien. Ah merde, reviens. Là, c'est le désordre. Oh, un escalier. L'escalier qui sauve la vie. Le petit stage bonus. Voilà. Le stage de la précision avec ce personnage là. Je sais plus ce qu'il nous fait. Il vous jette des pommes.
vais essayer de m'en prendre une. Si je peux d'ailleurs, voilà, pour vous montrer. Vas-y. Non, jette-moi une pop. Voilà. Je deviens gros et je peux faire ça. Et donc du coup, faut que Wario fasse un minimum d'efforts pour retrouver un poids normal. Voilà. Là, c'est Wario Alpha au cul. Et Wario brûle. Complètement. Il devient poussière avant d'être normal. Aïe. J'aurais pas dû faire ça. Ah oui. Alors là, c'est tout un mind game. Intellectuel. Voilà. Là, par exemple, il faut qu'il me mette le feu aux fesses. Littéralement. Voilà. Pour récupérer la clé. Alors, c'est tout un mind game et une série de... d'accidents qui doit être prévu depuis... Depuis que lui me fait pas chier. Qui doit être prévu à l'avance. Tout un mind game. Voilà. Là j'en reviens à la 201. Salaud. Voilà. Ok, chauve-souris. Pour le point de vie, d'accord. Ah, et bien sûr, il y a un plan. Hop, là, la ligne parfaite. Oh, ça, c'était beau, la balle. La balle qui ne me sert à rien. Le dernier morceau de saphir. Donc là, il ne me reste plus qu'à activer la bombe. Comment on l'appelle? On va l'appeler la bombe. Alors là, il faut que je grossisse. Évident. Ouais. Il faut que je grossisse, mais en haut. Je le fais rip-hop. Voilà. Genre, tu viens avec moi. Et maintenant, fais-moi gros. Voilà. Donc tu dégages. Et hop, je passe. Et alors là, ça va être un effort. Un speedrun pour le sortir, vu que cet endroit est labyrinthique, comme vous l'avez vu. Et donc là, j'essaye toutes les portes. Alors là, évidemment, hop, la strat, c'est celle-ci. Une porte qui sert à rien. Qui sert à rien. On prend la porte ici qui nous ramène à la 202. Là, on prend la 201. Qui, si tout va bien, nous fait remonter à la 302. 302 qui, je vous le rappelle, nous amène à la 304, qui vous fait descendre évidemment à la 104, tout le monde le sait, qui vous ramène à la sortie. Alors là, il y a une porte qui s'est ouverte, c'est la 102 qui, si vous avez le temps évidemment, vous pouvez rien récupérer à nos, de la thune. Voilà. Et là, évidemment, ça me ramène à la sortie. Sachez que si vous voulez vous perdre dans un hôtel pareil, il faut suivre ce chemin.
Je l'ai plus en tête, mais c'était le chemin que je vous ai montré qui est le bon. Bref, et voici le dernier niveau. Le dernier niveau achevé. La porte du boss est maintenant ouverte. Je vais quand même voir ce que je peux. Je vais quand même le faire sans bonus. Voilà, et alors ce chat est mystérieux jusqu'au bout. Alors vous voyez là, j'ai une pomme bombe, un canon, Visorman, un saxo, un chien noir, une grande bouche, un point géant, un Master N et un dragon noir. Je vais essayer de le faire comme ça, à la zub, d'une seule traite. On est go. Et donc ce boss est un chat. Est un chat midlife. Très bien. Avec une tête de chat. Donc la strat, évidemment il faut la connaître. Hop, la strat. Voilà, c'est celle-là. Frapper la tête de chat au milieu. Là, faut que je... Non, voilà, il faudrait juste que je passe... Non, là, faut que je me prenne un dégât. Oh, je me suis pas pris de dégâts. Là, il me faut les bons patterns. Là, il est pas content. Des bons chats, j'ai envie de dire. Voilà. Là ça va, j'ai des bons patterns. Raté. Alors je peux le faire reculer, ce que je m'empresse de faire. Alors ça, ah voilà. Et là, subtilité de gameplay, hein. Des vagues salauds, j'ai envie de dire. Bon là je perds un point de vie, c'est pas grave. Des vagues qui montent et qui descendent. Subtilité de gameplay, j'ai envie de dire. Ok. Ok, point de vie gratuit. Ce point de vie était gratuit. Merde, j'ai fait de la merde. J'ai fait n'importe quoi là. Cependant, il est faisable. Voilà, comme ceci. Ah, là, ça va déjà un peu plus vite, j'ai l'impression. Ah, n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Voilà, et là il a plus de chat. Donc du coup, des attaques, des sauts rodéo comme ceci. Allez, encore 5 coups si je regarde bien. Et là ça va de plus en plus vite. Et là, petit incident IRL imprévu, mais je vais finir ce boss quand même. Donc là, pause, bah comme son nom l'indique, c'est la pause. Alors là, je me dépêche, je passe une 45. Je peux le battre. Tout est dans le timing. J'ai envie de vous dire, tout est faisable. C'est pas non plus le boss le plus pété du jeu. Une minute. Allez. C'est la possibilité. Et voilà. Direct fini. Je récupère un premier trésor. Des bracelets et les coffres, je ne sais pas à quoi ça sert. Et ces trésors, enfin ces artefacts, s'en vont. Dans la pyramide. Et libère
des hiéroglyphes. Stage, enfin monde ou stage terminé comme vous voulez. Et nous avons fait un tiers du jeu. Et là il y a un chat. Chat ne servant à rien. Alors après vous pouvez scorer. Mais voilà. Ensuite on va faire la galerie Topaz. Je vais faire une petite coupure et je vous retrouve tout de suite. C'est parti pour la galerie Topaz. Alors en off, vite fait, j'ai gagné 6 pièces. 6 pièces pour les bonus contre les boss. J'utiliserai sans doute pas. C'est parti pour la tour des jouets. Donc là, plein de nouveaux gameplay. Voilà. Des nouvelles musiques. Des nouveaux objets que l'on peut prendre. Des objets qui peuvent se détruire et d'autres non. Et les objets à placer. Il y a beaucoup de gameplay de concepts dans ce Wario. Une petite porte qui m'amène à des mini Mario, des mini Wario. Donc là, quelques points parce que c'est gratuit. J'ai vu le morceau de Topaz raté. Voilà, il était juste là. Pas de quoi en faire un fromage. Alors là, plein de chemins. Voilà. Là déjà, il y a un chemin en bas, je l'ai vu. Ok. Chemin qui ne sert absolument à rien. Et là il y a une porte. Porte qui mène à un morceau de topaz. Tant mieux. Et donc là, ouais, c'est ce que je pensais. Et donc là je fais rien. C'est le mauvais chemin. Plein de thunes. Alors plein de chemins. Ah ok, je vois. Voilà, je peux rien faire. Voyons. Ah d'accord. Ok, là c'est juste pour des points, donc ça sert à rien. Ah voilà. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Un Wario en feu. Et donc là ça va être la même chose, ouais. De petites subtilités. Voilà. Évidemment, frapper un objet fait tout tomber. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Je vais essayer d'y aller. Ah, le niveau bonus. Pour de la thune, évidemment. Parce que Wario aime la thune, on le sait. Qu'il adore ça. Oula. Voilà. Ah, le timer n'est pas loin, je dirais.
timer est tout prêt. Ah, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merde. Ok, tant pis. Et là, j'ai fait planter un ennemi. Non, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Voilà. Aïe. Ah. Putain. Raté. Je peux pas le déplacer, non. Voilà. J'ai la clé. On se dépêche, on n'a pas le temps. Dernier morceau de topaz. On va tomber là. Parce que c'est ce que le jeu veut. Ok. Petite phase d'énigme. Voilà. Ah, évidemment. Ah, saleté. Voilà. Ah, putain, c'était pour un CD, t'es sérieux? J'ai niqué le temps pour un CD. Et voilà. Bon. Ah, j'avais le temps, c'est bon. Je peux largement faire le 100% si je veux. Mais ce n'est pas le but. Bon, encore, rien à faire. Deuxième niveau, grand plateau. Ouais, c'est mignon. C'est rose. Ah. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, je vois. D'accord. Ah, je vois. Oui, je m'en souviens de ça. Ça peut nous permettre d'avoir des petits bonus. Alors là, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir une vie si je... Ah, ok. Je comprends mieux. 5. Une vie. Voilà, et là si je continue, je vais essayer de faire 5, c'est quoi ça? Ah, des ennemis. Des ennemis inutiles. Aïe. Ça fait disparaître les rubis. Bah, pas grave. Là, j'ai accès à quoi? Alors, direct le troisième morceau, donc ça va être un niveau assez court, je sens. Ça va être un niveau très très court. Voilà. J'ai le topaz. Alors ça, qu'est-ce que ça me fait? Électricité, je vais voir ce que ça fait. Ah, dommage. Ah. Ah, ça me donne un pouvoir, ok.
Wario. Quand je suis sur la tête de Wario, ça me donne un pouvoir. Très bien. Je retiens. Ça peut être utile. Oula. Alors là. Voyons. Là, qu'est-ce que je peux avoir? Ah, faudrait que je sois une chauve-souris, d'accord. Alors, il faut faire deux. Ah, alors voici notre transformation de Wario. Un Wario un peu... bien un petit peu aplati. Il faut pas que j'aille dans l'eau, par contre. Voilà. Hop, on passe. Et je peux rester comme ça jusqu'à ce que je tombe dans l'eau. Ou bien que je me prenne un ennemi. Donc là, c'est le CD, ouais. C'est le CD, ça me sert pas. Ah, là, il faudrait que j'inverse les blocs. Donc, il faudrait faire deux. Voilà. Une maison avec... Ah, que je me transforme. Ok. Alors attendez, je regarde quand même. D'accord, mais si c'est juste pour des points, ça sert à rien. On va pas risquer ce que je viens de faire quand même. Donc là, je sens que c'est bientôt l'heure. Voilà, je l'ai évité. Mais c'est l'heure de revenir. Il me manque la clé. Clé que je n'ai pas. Alors là, il faut que je fasse quoi? Tap. A bat. Ok. Tap au but. 1, 2, 3, 4. Faudrait que je fasse 5. Ouais. J'ai fait 6. Taras. Ah, oh non, c'est limité. 4, ça devrait être bon. Ok, ça ne marche pas. Ah, il faut que j'aille au but. Il faut que j'aille au bout, d'accord. Ah. Je comprends. Ok. On se dépêche, j'ai pas le temps. Merde. Faudrait que je fasse que des 6. 3. À cœur. Encore. J'espère que c'est bientôt la fin. Voilà un éclair. Pas grave. 2. Merde. Ah voilà, le but il est là. Il est là, il faut que je fasse 3. Yeah. Ok, j'ai 1 minute 15. C'est chaud. C'est très très chaud. Ça va être très très chaud. Voilà, il y a un niveau bonus. Rien à foutre de ton bonus. Et là on run.
La fin est proche. La fin est proche, je le sens. 45 secondes. Elle est là, la fin. La fin est là. La fin est là, je la sens. Elle est là. Elle est juste ici. 30 secondes. Ah, quand même un niveau assez... assez dur, je dirais. Troisième niveau, coup de pinceau. Effectivement, c'est... Oh, c'est... Je m'en souviens maintenant, des zones cachées. Ah, alors qu'est-ce que c'est? Un ennemi piquant même. Là, il va falloir aller assez vite parce que cet ennemi est assez énervant. Aïe. Là, ça sent le passage, ouais. Ah, je peux aller que par là. Là, ça sent la zone remplie de passages secrets. Ok. Donc, non. Pas ici. Une porte. Je veux bien. Ah voilà. Ah, j'ai raté un morceau quelque part. Zut. Non, là si je veux pas, c'est que je ne pourrais plus y aller. Ah oh, d'accord. Je suis sûr que c'est possible. Ouais. Ok, je viens de comprendre. Aïe. Saloperie. Ah d'accord. Je vois. Le timer il est là-bas, très bien. Dosez les sauts. Ok, voilà. Ouh, j'ai évité le timer. Mais on est go. Et voilà. On est go. Récupère la clé. Là ça va être de la réflexion. Et les dessins prennent vie. Comme si c'était pas déjà assez complexe. Allez ouais, voilà. Un morceau. On y croit. Dégage, salaud. Pas ici. Oui,
Merde, je suis con. Ah merde, c'est pas la bonne strat. C'est pas la bonne strat. Ouah, je suis en train de me perdre. Mais là, il y a... Ah, il y a des cœurs. Très bien, ok. Hop là. Ah, zut. Zut, flûte, merde. Merde de merde de merde. Il manque toujours quelque chose. Putain, je fais de la merde. Je fais n'importe quoi. Voilà, elle est là, c'est bon. Pas ici. Je me prends des dégâts, c'est normal. Et j'ai fait de la merde, encore. Ouais, je fais trop de la merde. Voilà. Oh. J'ai pas le temps. Salaud. Voilà. On y est. Ouah. Il était dur celui-là. Par contre, je vais juste faire un cut vite fait. Un cut vite fait parce qu'il faut que je me mouche. A tout de suite. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Donc dernier niveau, la rangée de dominos. Ok, la clé est là. Donc si je fais ça. Oh, il y a... ça sent l'énigme. Voilà, oui, ça sent l'énigme. Ouais, ouais, ça sent l'énigme. Moi je dis au bout d'un moment il va y avoir un piège. D'accord, je viens de comprendre. Ok, ça a l'air assez complexe. Je sens qu'à un moment il va falloir que j'arrive plus vite que les dominos quelque part. Ouais, alors là, ces ennemis ils vous font pas mal, mais ils vous transforment en trampoline. Et bien sûr, il y a un temps limité avant de redevenir normal. Ouais. Alors là, oula. Là, par contre, je sens le piège. Ouais, oula. Falloir aller vite. Ah, raté. Voilà. Voilà pourquoi. En fait, ça débloque des bonus. Et si je... Ah bah non, défaite définitive. Qu'avons-nous ici? Allons, on se dépêche. J'irai tout à l'heure voir ce que c'est. Non, j'ai fait de la merde. Fais pas de la merde, Wario. Et... réussi.
Voilà, je retourne en bas par contre. Parce qu'il y avait des choses à voir. Voilà, je le savais. Bon, j'ai perdu un point de vie, pas grave. Enfin, un cœur plutôt. J'en étais où? Ah, j'en étais juste là. Comme quoi, faut de la rapidité. Beaucoup de diversité quand même dans ce Wario Land. Je ne sais pas si je vous le dis, mais je vous le redis. Je vous conseille d'y jouer. Parce qu'il y a... Bah, beaucoup de... Pas de finesse. Je dirais qu'il n'y a pas de finesse, mais presque. Dans tous les niveaux qu'on fait... Un poil de réflexion. Ah là là, j'ai fait de la merde. Bon, c'est fini, je vous le dis tout de suite. Voilà, défaite. Voilà, je ne pourrai pas accéder à cette salle qui enfermera sans doute un bonus. C'est dommage. Ah, là il y a un CD, là il y a un poisson carnassier et il y a un coquillage. Ok, il va falloir que je fasse attention maintenant. Je n'ai plus beaucoup de vie. Ah, c'est l'heure. Donc je prépare et on est go. 4 minutes pour sortir. Là, il va falloir... What? Non, rien, mort. J'ai fait de la merde. Je suis allé dans la mauvaise direction. Ok. Pas bien. Ok. Il me manque des morceaux là de topaz. Pas normal ça. Oh, c'est magnifique. Il me manque combien? Un morceau. Très bien. Ah, faut que je retourne là-bas. Ok, juste ici. Très bien. Il est où le dernier morceau? S'il vous plaît, où est le dernier morceau? Ok, mauvais chemin. Dextérité de mise. Je n'en ai pas, vous le voyez bien. Non, là c'est... Non, j'ai fait n'importe quoi. Juste dans les pics. Une certaine maîtrise. Essayez d'aller là-bas. Là-bas. Voilà. Là, parfait. Non, il faut qu'il m'assomme. Vas-y. Voilà. Pour gagner du temps. Et de l'argent. Pardon. Aïe. Merde. Ah, mais si je reviens au début, là, il me manque un morceau. Ah, je sais. Merde. Ah, si, la clé. J'ai la clé, parfait. 2 minutes qui restent. Ouais, le topaz, il est là-bas. 2 minutes. Ça peut le faire. Il est là, il me semble. Merde, juste derrière. Herbe, non, reviens. Allez, ça passe, oui. Hop là,
Allez, on se dépêche. Yes. Une minute de la fin. Tranquille. Petite intervention Mireille, désolé. Alors on va y aller direct au boss. Aéroplume si j'ai bien vu. Allez, pour le troisième boss du jeu. Alors magasin, voyez, est-ce qu'il y a des nouveautés? Non. Je peux acheter un saxo. Je vais y aller sans aucune aide. Et on les go. Alors, pendant que Wario se désaltère, un nounours avec une souris. Souris sur sa tête, qui le gonfle, ok, qui détient un collier que je veux. D'accord, je comprends mieux. Ok, j'ai compris. Hop. Hop, voilà. Allez. Il faut spammer la souris maintenant. La strat est simple. La strat est simple. Tant mieux d'ailleurs. Merde, non, non. Voilà. 1, 2, 2 fois, parfait. J'aurais pu le faire 3 fois, mais je me suis raté comme une bite. Je ne suis qu'une bite. Une. Raté, raté, 2, 2, bon ça va encore, il est presque midlife. Une, 2, 2 fois, ok, maximum, ça marche. Je pense qu'à un moment ça... Voilà. Oula, un peu plus, il allait disparaître, j'ai l'impression. 1, 2, 2 fois max. C'est un peu énervant. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Il est bientôt en zone critique de vie. Voilà. Alors là, je fais... Ah merde, ça va plus vite. Ça va plus vite, ça va plus vite. Les coffres, il y a des coffres qui vont disparaître si je continue à faire de la merde. Allez, on se dépêche. J'ai pas le temps. Une. Non. Non, une fois seulement. Il nous reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie. Ah, je perds du temps. Je perds du temps. Il a touché terre. Merde. Ah, ça, il y a un coffre qui va disparaître. Je vais pas le GGiser. Deux. Ouh, frame perfect. Deux coups. Allez, on se dépêche. C'est pas le boss le plus complexe du jeu. Ah, putain. Là, par contre. Là, seul, ça va. Je le savais. Ah, il y a un coffre qui va disparaître. Ah, tant pis. Ah, là, ça va être plus complexe. Hein? Non, j'avais fait B. 3 coups en 1 minute. Allez, ça se joue, ça se joue. Ah, il y a un coffre qui disparaît. Un coffre qui disparaît. Merde. Ah zut. Je peux encore le battre mais je peux pas le GGiser. Il y a un deuxième coffre qui va pas tarder à disparaître si je continue à faire de la merde. Dégage. Non. Non 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 non.
Putain, est-ce que je vais avoir le premier game over du jeu? Merde. Ah, tant pis, game over du jeu. Ah, 3 coups. Ah, c'est mort. Là, c'est fini. J'ai perdu. On va essayer d'aller le plus loin possible. Ouais, 9 secondes, c'est complètement mort. Putain, ouais, 3, allez, c'est perdu. Game over. Enfin, time's up plutôt. Je me fais éjecter de la porte du boss. Comme ceci. Comme un salaud. Donc du coup, je vais prendre un bonus. Pas le choix. Je vais prendre un petit bonus. Hein. Je vais prendre... Tiens, je vais vous montrer Visorman. On y va. La revanche. La revanche contre cet enfoiré pendant que je fais des haltères. Voici Visorman qui va faire un rayon laser. J'ai 3 points de vie ou 4 points de vie qu'il a enlevé. Là par contre, ça faut que je la joue perfect. Pas comme ça déjà. Oh, elle était parfaite celle-là. Premier coup qui va bien. Non. Oh, tu respectes. Voilà. Et un. Et raté. Saleté. Non mais putain. N'importe quoi. Voilà. Un coup. Deux coups. Voilà, comme ça qu'on fait. Voilà, là ça va mieux. C'est l'attaque et ensuite le saut, pas les deux en même temps. Non mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde. Ah. Oh non. Ah, c'est salaud ça. Ah, c'était salaud ce que vient de faire le jeu. Hein. Oh non, j'étais trop. 5 coups. Ça le fait. Hop. 1. 2 coups. Yes. Réussi. Oh non, je pouvais lui encaisser un troisième. Ça va le faire. C'est bon. J'ai la strat, tout va bien. Tout ne peut qu'aller. Non. Putain de nom, non. Mais bien sûr. Encore mieux. Putain, dégage. Un. Non, le dernier coup. Putain, le premier coffre qui se barre. Voilà. Réussite.
Ah putain, ce boss était dur. Mais je l'ai réussi quand même. Allez, deuxième artefact. J'aurais pas fait un 100%, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Voilà, on a fait la moitié du jeu. Petite coupure et je vous reprends juste après.